Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing Everyday a Craft. Il y a dans ce colis un article vraiment génial que j'attendais avec impatience. Je suis vraiment très contente de l'avoir reçu et de pouvoir le découvrir avec vous. Il y a également une petite broderie et j'avais choisi une toile et ils m'en ont rajouté une deuxième sur le même thème pour que je puisse vous la montrer. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc on va commencer par regarder les deux toiles et ensuite on regardera les autres articles. Alors, les deux toiles, on va commencer par celle-ci. Alors, il y a celle que j'ai choisie et celle que je n'ai pas choisie, qu'ils m'ont proposée. Moi, j'ai dit oui, pourquoi pas, je la trouvais jolie. Donc, voici la première. Donc, c'est d'une jolie toile de style paper quilling. Hein. Vous savez, c'est cet art du papier roulé qui permet de faire de très jolies compositions. J'avoue que pour ma part, je n'ai jamais essayé, mais je me dis qu'un de ces quatre, pourquoi pas. Mais j'hésite parce que si j'aime bien, après, je risque de me dire que j'ai envie d'en faire. Et j'ai déjà quand même pas mal d'activités et les journées, malheureusement, n'ont que 24 heures. Donc pour le moment, je laisse ça totalement de côté. Par contre, je trouve que ça fait de très jolies compositions pour le diamond painting, puisqu'on est sur des compositions tout en courbe, tout en ligne, qui sont très faciles à transposer en ajoutant des diamants. Donc ça donne vraiment des très jolies choses. J'ai choisi celle-ci qui est une jolie toile dans des couleurs très douces que j'aime beaucoup. Elle est vraiment très tendre. Regardez-moi ces couleurs. On est sur des couleurs pastel, un peu dragées. J'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Je vais essayer de la caler parce qu'elle a tendance à s'enrouler comme vous pouvez le constater. J'aime beaucoup les couleurs pour le printemps ou pour la fin de l'hiver. Je trouve que c'est une toile qui serait magnifique à accrocher. Elle est bien pliée mais le papier n'est pas collé correctement, ce qui explique que les plis soient aussi marqués. Alors là par exemple le plastique n'est pas collé sur la toile, donc il faudra que je replaque mon papier bien à plat correctement, ensuite sous une pile de toile le temps qu'elle se réaplatisse et je pourrai la réaliser. On va regarder rapidement les diamants qu'il y a dessus parce que vous voyez il y a des gros gros diamants, donc je pense qu'il va y avoir des choses très sympas sur cette toile. Donc on va regarder ça rapidement. Alors tout d'abord nous avons une série de petits strass. Voilà. Ensuite, nous avons ici d'autres strass. Donc les couleurs sont vraiment très jolies. Très sympa ce vert là, il est très doux, très joli. Ensuite, nous avons des strass plus gros. Voilà. Là, ce sont des demi-perles. Waouh, regardez la quantité de navettes holographiques, la transparente. Les grosses gouttes comme ça, fastées, c'est magnifique. Des grosses gouttes orangées comme ça et des gros diamants rouges comme ça. Donc franchement, les diamants sont magnifiques. J'ai hâte de faire la fleur ici tout en grosses gouttes fastées. Ça va être juste magnifique. Ça va briller de mille feux. Les couleurs sont moins pastel en fait avec les diamants que sur la toile, mais je pense que la composition peut être très sympa. On a un toolkit de base, style école, barquette, sans sachet. Voilà pour cette première toile, elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup la composition. Donc à voir ce que ça va donner avec les diamants. Peut-être elle va être beaucoup plus vive, je pense, que ce que l'on voit actuellement sur la toile. Mais bon, à voir, ça peut être vraiment très très sympa. Ensuite, nous allons regarder la deuxième toile. Donc c'est la toile que je n'ai pas choisie, qu'ils m'ont proposé de prendre également. C'est également une toile en paper quilling. C'est vrai qu'en ce moment les sites nous proposent beaucoup ces toiles-ci, c'est leur nouveauté. Ils communiquent énormément dessus. Donc moi j'avais choisi une toile qui n'était pas dans le thème de Noël. Ils m'ont proposé de m'envoyer également celle-ci qui est sur le thème de Noël. Donc vous voyez, la toile est très très jolie. On est sur une composition, voilà, on voit très bien l'art du papier qui est dessous. La fleur au milieu est très jolie. Je suis un petit peu moins fan du bonhomme de neige. J'avoue que je préfère celles qui ont des motifs beaucoup plus fleuris. Mais pourquoi pas, après tout, ça peut donner un effet très très sympa. Donc bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois diamanté. Visiblement sur cette toile on a moins de gros diamants qu'on en a sur l'autre, mais on a quand même pas mal hein, de variétés. Sur cette toile on a 16 types de strass et sur l'autre on n'en avait que 15. Donc concrètement sur celle-ci on a plus de couleurs différentes. Après à voir en termes de forme de diamants. Quoique je vous dis qu'il y en a moins, mais on en a quand même pas mal hein, de formes différentes. Donc on va regarder ça rapidement. Donc là, clairement, les diamants vont être plus vifs, mais la toile est elle-même plus vive. Alors, nous avons du rouge, du doré, beaucoup d'argenté, un petit peu de blanc AB, du vert, du noir,
un marron, du orange. Alors, des grosses gouttes fastées rouges comme ceci, des navettes fastées comme ceci, des ronds noirs, tout simple. Tiens, ça c'est rigolo. C'est rare de voir des ronds noirs comme ça opaques sur les toiles spéciales. Des demi-perles rouges, des navettes et les petits ronds avec les petites étoiles. Ça va être très joli. Vraiment très sympa. On est vraiment dans une gamme 100% Noël au niveau des couleurs. Le motif est 100% Noël. Ça va être vraiment sympa à faire pour les fêtes de cette année. Donc bah, écoutez, j'ai hâte bah, de la faire, de vous montrer ce que ça va donner. Et puis, de l'accrocher pour Noël. Je pense que je lui trouverai bien une petite place, un petit coin de mur pour pouvoir en profiter ce Noël. Ensuite, nous allons regarder l'objet que je voulais absolument recevoir. Alors, c'est un gros objet, c'est un gros investissement, c'est vrai. Franchement, je les ai vus, je me suis dit c'est génial, j'espère vraiment pouvoir le prendre chez un partenaire parce que c'est typiquement un objet que je n'ai pas de base à la maison, que je n'ai absolument pas, qui fait pourtant une très jolie finition, un très beau rendu. Jusque là j'ai toujours bidouillé avec ce que j'avais mais j'en avais pas réellement. Cette année j'ai vraiment envie de faire un très beau sapin de Noël, etc. Donc je me suis dit que ça serait pas mal d'en avoir. Et c'est vrai que c'est vendu quand même assez cher. C'est un objet, au moment où moi j'ai commandé, il valait 22,24€. Donc voilà, c'est quand même pas donné. Mais bon, c'est un objet qui normalement devrait me suivre année après année. Donc du coup, bah, j'étais vraiment ravie qu'ils acceptent de valider ce choix-là. Parce que franchement, je le voulais vraiment, vraiment, vraiment. Alors, vous vous demandez de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit d'une jupe à sapin. Voilà, il y a plusieurs modèles qui sont sortis. Je trouvais ça génial. C'est vrai que ça fait une finition très, très finie, hein, tout à fait sous le pied du sapin. Surtout quand on utilise des sapins synthétiques, le pied est souvent assez moche. Donc là, ça va permettre de bien l'habiller. Donc du coup, bah, j'en ai pris une. Alors j'ai choisi celle dans les tons de rouge et vert qui me plaisait le plus. Donc on va découvrir ça. J'ai hâte de voir dans quelle matière ils nous ont fait ça, si ça va être résistant, etc. Donc c'est livré dans un carton déjà. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça permettra de la ranger. Hop. Alors voilà ce qu'il y avait dans le carton. Donc on a un toolkit stylet colle barquette petit stylet. On a les diamants ici, il y a une sacrée quantité de couleurs, waouh! Ah ouais! Je ne sais pas combien de couleurs, on regardera après. Et donc c'est en feutrine de ce côté, c'est de la feutrine. Et de l'autre côté, c'est de la toile. Donc là, c'est une toile plastifiée de ce côté-là et de l'autre côté, c'est de la feutrine. Donc c'est de la toile plastifiée feutrée de l'autre côté. Alors c'est assez grand, je pense que j'aurai du mal à vous la montrer en entier. Alors de diamètre combien ça va? De le rayon est de 40, donc ça doit faire à peu près 80 de diamètre, ce qui est pas mal déjà. Et la partie à diamanter, la voici. Alors attendez, je vais vous montrer un peu mieux. Voilà pour la moitié, donc le bord il est comme ceci. Et on a ici donc le petit renne, le petit Père Noël, le petit bonhomme de neige, le petit sapin diamanté. Vraiment très très joli, très chouette. Alors il y a beaucoup à diamanter. Hein. La colle colle pas mal. Par contre, je vous conseille absolument un vernissage là-dessus puisque ça va être au sol. Ça va prendre la poussière. Même si la colle est très bien collée sur les symboles, je vous conseille un vernissage au moins sur les modèles ou un encollage de façon à ce que ben voilà, la poussière ne vienne pas s'accrocher entre vos diamants. Ce serait vraiment tellement dommage. C'est typiquement un objet vu la qualité de la matière que vous pouvez garder des années. Donc ce serait vraiment dommage qu'elle s'abîme vite. La toile, je ne sais pas si vous allez voir là, mais elle est pailletée. Oups. Excusez-moi, petit souci, j'ai appuyé à un endroit sur le téléphone, ça a fait des trucs bizarres. Donc du coup, la toile, elle est pailletée, donc en plus ça brille, c'est super sympa. On a ici, on a les nouettes qui sont en biais de coton, je pense, pour pouvoir fermer. Donc on a deux nouettes, donc nickel, franchement je suis ravie, c'est magnifique. J'ai hâte bah, de pouvoir la mettre, en plus... J'aime mon sapin, ça y est. Je vous avais dit que bah, je voulais investir dans un beau sapin cette année, puisque celui que nous avions l'année dernière était vraiment très très petit. Enfin, l'année dernière et celle d'avant ont
Du coup, l'année dernière, c'est peut-être que l'année dernière qu'on a eu un vrai sapin. Les années précédentes, on avait beaucoup de sapins créés. Et les années précédentes, des sapins créatifs en carton peint avec des choses collées dessus. On en avait eu un en ruban sur lequel on avait agrafé des boules qu'on avait fait nous-mêmes. Enfin voilà, on avait beaucoup de sapins créatifs. Et je sais plus si c'est l'année dernière ou celle d'avant que ma fille avait dit oui, mais j'aimerais bien un sapin. Et du coup, on s'était pris un petit peu tard et on avait acheté un sapin pas très grand. Il faisait 80 cm de haut, tout compris. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas énormément de branches. Alors on l'avait bien bien garni, mais bah, il était mignon comme tout notre sapin, on l'aimait bien, mais voilà, je voulais passer sur quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus gros, un peu plus volumineux, qui voilà, là comment j'ai réagencé le salon, on a la place. Donc du coup, bah, l'autre fois en allant chez Action, et ben je me suis pris un sapin. Il y avait des sapins à un prix très raisonnable, parce que c'est vrai que d'habitude je l'avais prenais chez la Foire Fouille, mais la Foire Fouille c'est assez cher, à moins de le prendre au dernier moment, dans les derniers jours avant Noël, où là il brade. Sinon c'est assez cher, un beau sapin bien touffu. Celui d'Action avait l'air plutôt pas mal, en tout cas sur l'image, donc du coup j'en ai pris un pour une 30aine d'euros. Donc franchement, j'ai trouvé ça cool. Donc cette année j'aurai un grand sapin, j'ai mon sapin, donc ça c'est cool, la dépense est déjà faite. Donc au moins comme ça on est tranquille. Donc pouvoir mettre mon beau sapin avec ça dessous, toutes mes suspensions dans le sapin, ça va être magnifique, j'ai hâte. Je crois que c'est la première année où j'ai autant hâte de monter mon sapin et d'être à Noël. D'habitude c'est une période, ça me fatigue d'avance. Autant cette année j'ai hâte d'y être, d'être dans l'ambiance, de sortir les décorations, etc. Ça me fait vraiment envie. Donc bah du coup c'est plutôt chouette. Vraiment je suis très très contente de cet objet. Honnêtement, si vous hésitiez, foncez. Si vous hésitiez à cause du prix, vous disiez, vous saviez pas trop qu'est-ce que ça allait donner en termes de qualité, franchement, il n'y a rien à dire. La qualité est top. On va regarder, je vais regarder les diamants pour vous dire combien il y a de couleurs. Donc, ce sont des diamants ronds classiques. Donc ça, de ce côté-là, on est sur quelque chose de... Alors, il y a 23 couleurs. Beaucoup de blanc, visiblement. On a 3 sachets de blanc. Voilà, il y a beaucoup de couleurs. Ils ont l'air d'avoir bien travaillé les détails, hein. Regardez-moi cette gamme de couleurs. Je vous montre rapidement toutes les couleurs. Si ça me vient à mes pieds, ce serait mieux. Pas 100 mini quoi. Il y a 24 couleurs sur un objet, c'est incroyable. D'habitude, sur les objets de ce genre, ils nous mettent 4-5 couleurs et puis allez, 10-12 au grand max et puis c'est tout quoi. Là non, ils ont vraiment joué le jeu, les motifs. J'avais pas fait attention qu'il y avait autant de variétés dessus. Ah si, c'est vrai. Le sapin, regardez le sapin, comment il est. Le bonhomme de neige. Le Père Noël. Et le renne, ouais, ils ont été. Alors le renne a l'air un peu foncé. Alors je sais pas si les yeux ressortiront bien. Si les yeux ressortent pas assez. Alors après, à la caméra, ça ressort mieux qu'en vrai. Si ça ressort pas assez, vous éclaircissez. Vous récupérez un autre as de diamant et vous éclaircissez au niveau du tour des yeux. Mais franchement, c'est top. Franchement, le travail là-dessus est magnifique. Je suis aux anges. Vraiment aux anges, il n'y a pas, j'ai pas plus à dire, voilà. Alors après, peut-être pas le replier dans la petite boîte, ou alors le plier moins. Il doit tenir, non, il tient pas en étant moins plié. Je pense que je le rangerai dans un petit sac pour le ranger bien à plat, sans trop plier au niveau des diamants, parce que j'ai peur que ça puisse s'endommager. Et pour finir, j'ai pris une petite broderie. Alors c'est une toile Joy Sunday comme d'habitude. J'aime beaucoup ces kits là et du coup j'ai pris une petite toile qui n'est pas hivernale mais qui est plutôt automnale. Donc voilà, j'ai pris ce joli petit oiseau. Je le trouvais très mignon, très rigolo. Alors sur cette toile a priori on a du point de croix, du point arrière et du demi-point de croix. Alors j'avoue que sur tous les kits que j'ai eu jusque là je n'ai pas de demi-point de croix, donc j'ai assez envie d'essayer. Donc c'est une 14 CT comme d'habitude puisque c'est ce que je préfère. C'est une 17 par 20 cm. Dans le kit comme d'habitude, on a la toile, on a les fils de coton, l'aiguille et les instructions. Donc on va regarder ça rapidement à l'intérieur. Hop. 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 Voilà. Alors au niveau des couleurs, des fils, elles sont magnifiques. Je vous avoue que c'est une des choses que je préfère. C'est quand on a tous les fils là sur la cartonnette et qu'on peut regarder la gamme de couleurs.
C'est magnifique, il y a beaucoup de couleurs sur sur ce petit oiseau. Il y a combien de couleurs? 17 couleurs. Ah ouais, j'imaginais qu'il y en avait plus. Non, il y a 17 couleurs. Donc voilà, au niveau des brins, donc pas mal de jaune visiblement. On a là, dans le petit sachet, on a les deux aiguilles. Il nous rappelle que c'est du 14 CT, donc on brode avec deux brins. Ici, nous avons la grille. Donc, ils nous disent que nous allons avoir du point de croix, du French knot, donc les points de nœud, donc ça, je pense que ça va être pour les yeux de l'oiseau, du backstitch, donc du point arrière, et du half stitch, du demi-point de croix. Donc au dos, nous avons la grille qui va nous permettre de pouvoir tracer notre point arrière une fois qu'on aura fini la broderie. Et voilà la toile. Alors là, il m'étonne toujours, il m'épate quand ils arrivent à mettre toute la grille des couleurs pour le point de croix, toutes celles pour les demi-points de croix, pour le French knot et pour le point arrière. Ça fait beaucoup de choses imprimées sur le pourtour. Alors c'est pas hyper lisible, hein. Là j'avoue que les couleurs des symboles, enfin les couleurs des MC sont pas franchement le plus lisible. Mais par contre la toile est hyper claire, donc ça c'est nickel. À partir du moment où on peut lire le numéro de la couleur et puis le symbole, puis au pire on compte, ça marche nickel. Là c'est plus important. Donc c'est pour ça qu'ils nous mettent là les couleurs ici. Là, c'est imprimé peut-être un petit peu moins clair, mais bon au pire on compte 1, 2, 3, 4 et puis on sait quelle couleur faut prendre. Autant là il faut vraiment qu'ils nous précisent, sinon on est un peu perdu. Au pire on a évidemment la feuille pour nous aider. Donc voilà ce petit oiseau automnal, pardon. Je pense que ça va être très sympa à faire. J'ai pas de toile automnale au final. J'ai pris des petites toiles hivernales ou des petites toiles un petit peu plus. Voilà, un petit peu farfelu, mais c'est vrai que je n'ai pas, au fleuri, on va dire plutôt, j'avais pas de toile automnale. Bon, il est un petit peu tard aussi maintenant, on est quand même sur la fin de l'automne, donc c'est pas forcément le moment d'entamer ce genre de projet. Mais celui-ci m'a fait de l'œil et je me suis dit pourquoi pas le faire. Alors peut-être que je ne l'utiliserai pas dans une réalisation, une composition cette année, mais au pire, je pourrais le réaliser et puis l'intégrer à une composition l'année prochaine. Au niveau des couleurs, je le trouvais très mignon et les couleurs étaient très sympas sur l'image, donc j'aimais beaucoup. Voilà pour ce petit unboxing, donc j'espère que ça vous aura plu. Moi franchement, je suis très contente de ce que j'ai reçu. J'aime vraiment beaucoup, tout est vraiment très chouette et je suis tellement contente pour la jupe de sapin. C'est vraiment trop trop chouette. Ça va être difficile de tout vous montrer parce qu'en fait, entre le truc qui est super plié, la toile qui, elle, s'enroule sans arrêt et la petite toile qui n'est pas très claire, ça va pas être évident. Mais bon, voilà. Voilà ce que j'ai reçu de chez Everyday A Craft. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ce sont des articles qui vous plaisent, si vous aviez repéré les jupes de sapin ou pas du tout, que vous attendiez peut-être d'avoir un premier avis pour pouvoir vous décider, si vous pensez vous décider, ou peut-être que vous en avez déjà une. C'est vrai que quand on a déjà une jupe à sapin, il n'y a pas tellement de raisons d'en acheter une deuxième. C'est un objet qui dure dans le temps. Donc peut-être que vous en avez une fait vous-même, peut-être fait main. Dites-moi tout dans les commentaires. Je suis très curieuse de connaître votre avis par rapport à cet objet. Dites-moi dans les commentaires si certains de ces articles sont sur votre wishlist ou peut-être même déjà réalisés ou en cours chez vous. Dites-moi tout. On se retrouve dans les commentaires comme d'habitude pour en discuter. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très vite sur la chaîne avec plein de nouvelles réalisations. Donc restez à l'écoute, je vous dis à très vite. Tchou tchou, prenez soin de vous.